Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo janvier 2022. Alors bon, on prend des bonnes résolutions, alors pas celle d'être super en avance, hein, comme vous l'aurez remarqué. Mais c'est pas grave, elle sort, elle est là, j'espère qu'elle va vous plaire. Il y a beaucoup de choses sympathiques qui vont tomber en janvier, ou d'ailleurs qui sont déjà tombées parce qu'aujourd'hui on est le 8 janvier. Donc il y a déjà des sorties qui sont passées, vous allez pouvoir les retrouver directement en librairie, c'est trop cool. Je vais vous présenter les sorties que moi j'ai sélectionnées comme d'habitude. D'abord les grands formats, puis les suites, les poches, puis les suites, les mangas et les BD. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence tout de suite avec un premier titre qui est sorti le 5 janvier chez Calman Levy. Il s'agit de Respire de Nico Takian. On embarque avec Nico Takian vers un bon thriller, mais version île paradisiaque. Oui, on va suivre Johan qui se réveille un beau jour sur une île complètement magnifique, sur une plage de sable blanc, les cocotiers, bref, vous voyez un petit peu le décor. Tout va bien, il va profiter un petit peu de son bonheur puisque Johan, il sait pertinemment pourquoi il est là. Il a signé un étrange contrat avec une société mystérieuse qui lui a promis de le faire disparaître et d'effacer toute trace de son passé. Mais Johan va vite se rendre compte que cette île est quand même un petit peu étrange. Il va y découvrir bien sûr d'autres habitants, une dizaine de personnes, toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Et surtout, il se rend compte qu'il y a plein de maisons abandonnées, des shops laissées un petit peu désertes. Donc ce qui laisserait penser qu'il y avait plus de monde à un moment. Mais du coup, où sont passées toutes ces personnes? Johan ne va pas pouvoir s'empêcher de chercher à savoir, ce qu'il n'aurait jamais dû faire, car c'est bien connu, la connaissance fait voler en éclats le paradis. On enchaîne toujours le 5 janvier avec la sortie de La bibliothèque de minuit de Matt Haig aux éditions Mazarine. Dans ce livre, on va suivre Nora, Nora qui a 35 ans et qui se retrouve un petit peu à la croisée des chemins. Elle a l'impression d'avoir complètement raté sa vie. Si j'avais, en même temps, son trois mots qui pris séparément n'ont rien de bien méchant, mais si vous les répétez comme ça gentiment, ils auront le pouvoir de vous hanter jusqu'à la fin de vos jours. Si j'avais. Et si elle avait fait d'autres choix, Nora, est-ce que son destin, est-ce que sa vie serait différente ? C'est la question. Coincée dans cette bibliothèque, elle va découvrir qu'au détour des rayonnages, en prenant les livres, en feuilletant les pages, elle va avoir un peu le pouvoir de changer un petit peu les choses. Et le souci, c'est que ça ne va pas se dérouler tout à fait comme elle l'avait escompté. Jusqu'à minuit, Nora va-t-elle répondre finalement à cette question : qu'est-ce qu'une vie heureuse ? Encore une sortie, le 5 janvier, il s'agit de « Leur sang coule dans tes veines » de Rachel Burge aux éditions Casterman. On est ici sur un roman fantasy young adult dans lequel on va suivre Martha. Martha qui a eu un accident un jour, elle est tombée d'un arbre chez sa grand-mère et depuis, elle a le pouvoir de ressentir les émotions des gens quand elle les touche. N'ayant aucun souvenir de sa chute, Martha décide finalement de retourner chez sa grand-mère en Norvège pour obtenir potentiellement certaines réponses. Sauf que quand elle arrive, sa grand-mère a disparu, un jeune homme est en train de squatter sa maison et des ombres étranges gravitent autour de l'arbre duquel elle est tombée. Ah, je sais pas vous, mais moi ce petit titre-là, Young Adult, je sens qu'il est fait pour moi. Le 6 janvier est sorti chez PKJ le titre « Ce que j'aime chez moi » de Jenna Guillaume. On va y suivre Maisie, Maisie qui est une jeune fille complexée par ses rondeurs et qui sur un coup de tête s'inscrit à un concours de beauté. Parce qu'elle en a un petit peu marre de se laisser dicter voilà, par ses complexes, par sa famille, par sa sœur qui est une magnifique jeune fille aussi. Enfin bref, elle veut tout, Maisie, cet été. Elle veut tout, elle veut avoir le garçon de ses rêves, elle veut remporter le concours, elle veut passer des bons moments avec sa meilleure amie. Et voilà, et du coup on va la suivre, je crois, au fur et à mesure dans son journal. Et ça va pas être si simple que ça, mais voilà, je sais pas. Ce titre, même s'il traite d'un sujet un petit peu difficile, un petit peu complexe, il y a beaucoup de gens dans cette situation et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'adolescents et d'adolescentes qui pourraient se reconnaître dans ce titre. J'ai l'impression que ça va être un peu, voilà, un peu pas léger, mais je sens de la légèreté un petit peu dans ce titre, un petit peu de good vibes et j'en ai vraiment envie quoi dans ce titre. Après, voilà, il faut le lire pour le savoir, donc n'hésitez pas à m'en parler si vous l'avez déjà découvert ou si vous allez le découvrir en commentaire, ça me fera super plaisir. Le 6 janvier, c'est encore une magnifique sortie qu'on a pu découvrir chez Gallimard Jeunesse. Il s'agit d'une réédition, puisque ce titre en fait date de 2011. Et là, Gallimard Jeunesse a décidé d'éditer dans un seul tome, dans un intégral, la trilogie de cette
saga jeunesse apparemment très connue que moi j'ai pas encore découvert. Il s'agit du Livre des Étoiles, la trilogie d'Éric L'Homme, aux éditions donc Gallimard Jeunesse. On va y suivre Guillemot de Troil, qui est un jeune garçon du Pays 10, situé à mi-chemin entre le monde réel et le monde imaginaire. Guillemot, il a des dons particuliers pour la sorcellerie, et un jour, accompagné de ses amis, il va décider de franchir la porte qui conduit dans le monde incertain, peuplé de monstres et de tribus étranges. Bref, je n'en sais pas plus sur cette trilogie, mais honnêtement, cette couverture est ouf, et surtout, elle ne sort pas n'importe où, c'est simplement parce que le 6 est sorti aussi un tome suivant, du coup, le quatrième tome qui suit cette trilogie. Alors je vous explique, il s'intitule Le Livre des Étoiles, tome 4, La Boussole des Trois Mondes, écrit cette fois par Jimmy Blin, aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne pourrais pas vous dire de quoi va parler ce quatrième tome, je n'en ai aucune idée, je n'ai pas voulu me spoiler, je vous avoue, parce que je compte bien découvrir cette première trilogie. Et en plus, voilà, simplement vous dire qu'il fait 304 pages et que la couverture est encore magnifique, parce que c'est encore une illustration de Noémie Chevalier, voilà, dont j'adore absolument le travail. Donc c'est un vrai plaisir en tout cas de voir ces titres ressortir et sortir. Le 7 janvier, c'était un gros titre qui était attendu. Il s'agit du premier tome de la saga Iron Widow de Siranjit Zao aux éditions La Martinière Jeunesse. Honnêtement, je ne me suis pas du tout plongée dans le résumé. Enfin, je l'ai lu il y a déjà un bon moment, mais là, j'ai pas du tout envie parce que c'est un titre que je vais découvrir, c'est sûr. Moi, il y a une phrase qui m'a fait me dire « Ok, ok, c'est la seule que je vais vous dire. Un roman puissamment féministe et queer dans un univers SF absolument original, inspiré par la Chine ancienne. » Pouaf ! Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Honnêtement, il me semble me souvenir que le résumé était quand même hyper alléchant. Mais voilà, j'aimerais me laisser replonger dans plonger tout simplement dans ce roman. Vraiment sans a priori, sans indice. En partant juste avec ça. Je trouve que c'est déjà bien. Le 12 janvier, c'est la sortie de Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao aux éditions Hachette Roman. On est ici sur un roman young adult où on va suivre Julie et Sam qui sont un couple d'ados qui s'aiment profondément. Et un jour, Sam va avoir un accident et va décéder. Et du coup, vous allez me dire, ça commence bien. Ouais, je sais, ça m'a fait le même effet. Sauf que la suite est quand même assez intrigante. Julie va décider d'appeler le portable de Sam pour entendre la voix de son répondeur. Sauf que quand elle l'appelle, c'est la vraie voix de Sam qui lui répond. Et voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus. C'est un truc un petit peu dinguissime, c'est une romance un petit peu particulière. Je pense qu'il va y avoir des questions de deuil aussi. Enfin voilà, ça va pas être un roman tout simple, je sens que je vais chialer comme une madeleine. Mais du coup, j'ai trouvé ça hyper intriguant, hyper... ouais, je sais pas, ça m'appelle, vraiment ce titre m'appelle. Donc je me suis dit peut-être que ça pourrait vous intéresser aussi. Après, je sais pas trop dans quel mood faut être, si ça va être... j'espère que ça va pas être larmoyant non plus, hein, mais ça risque de fendre un peu le cœur quand même. Le 19 janvier, c'est la sortie d'une autrice que j'affectionne particulièrement puisque c'est la maman de mes chouchous Heartstopper. Il s'agit du titre donc Loveless d'Alice Oseman aux éditions Hachette Roman. On va y suivre Georgia qui va entrer à l'université, qui n'est jamais tombée amoureuse, qui n'a jamais été embrassée. Elle est ultra romantique, passionnée de fanfiction et persuadée qu'elle va finir par trouver la bonne personne. Mais l'amour est bien plus compliqué qu'il n'y paraît et avec ce titre on va découvrir un nouveau vocabulaire, aromantique, asexuel, etc. Et Georgia va finir par se demander si elle est véritablement vouée à une vie sans amour ou si tout simplement elle n'a pas encore trouvé sa voix. Le 20 janvier, on va pouvoir découvrir le tome 1 des Monstres de Rookhaven, écrit par Padraig Kenny et illustré par Edward Bedison aux éditions Lumen. On va y suivre Mirabelle qui vit avec sa famille dans un manoir isolé en pleine forêt, puisque sa famille est un petit peu étrange, oui, on pourrait appeler ça des monstres. Du coup, son oncle est capable de se transformer en féroce grizzly, le corps de sa tante est composé de centaines d'araignées, bref. Et du coup, Mirabelle, voilà, elle vit un petit peu comme ça, protégée, puisque en fait, il y a quelques années auparavant,
La famille a conclu un pacte avec le village d'à côté en échange de vivres pour voilà, subvenir à leurs besoins. Ils promettent de ne pas attaquer en fait les habitants, puisque oui, ils avaient un passif avec eux. Du coup, les monstres avaient l'habitude de dévorer les habitants, donc forcément, ça crée quelques tensions. Vous vous en doutez. Bref, donc il y a une barrière magique qui entoure le manoir afin de protéger et les habitants de la famille et la famille des habitants, voire d'une menace bien plus grande. Sauf qu'un jour, il y a deux orphelins qui réussissent à franchir cette barrière magique. Et autant ça va apporter beaucoup de joie à Mirabel et une ouverture sur l'extérieur, bien évidemment. Autant ça va quand même les rapprocher fortement d'un grand danger. Donc voilà, c'est un roman apparemment, c'est une histoire qui est aussi émouvante que glaçante et qui va traiter notamment de la question de la tolérance et je trouve ça hyper cool, donc moi je dis oui. Le 26 janvier, on va pouvoir également découvrir le premier tome de la saga Éducation meurtrière intitulé Leçon numéro 1 de Naomi Novik aux éditions Pygmalion. Je vous lis de suite le résumé parce que franchement ça vaut le coup. Bienvenue à la Scolomance, une école pour les surdoués de la magie où l'échec signifie la mort. Sympa, au sens propre, au top. Dans cet établissement, il n'y a pas de professeur, pas de vacances et pas d'amitié, sauf celles qui sont stratégiques. Et ça donne vraiment très très envie. Elle Higgins est particulièrement bien préparée pour sa première année. Elle n'a peut-être pas d'alliés, mais elle possède un pouvoir assez puissant pour raser les montagnes. Elle semble donc de taille à affronter cette scolarité hors norme. Le problème, sa magie pourrait aussi tuer tous les autres élèves. Pouf ! Voilà, voilà, ça pose le décor. Moi, je dis carrément. Naomi Novik, elle a notamment écrit Déraciné et également La fileuse d'argent. Fileuse d'argent que j'ai dans ma pile à lire mais que je n'ai pas encore lu. Mais je suis vraiment très très intriguée. J'aime beaucoup toutes ces histoires d'école, de magie, etc. Même si là on est quand même sur un truc vachement moins sympathique que par exemple Harry Potter ou autre. Mais voilà, je trouve ça assez sympathique comme concept, donc carrément. Pour les suites de grand format, je vous annonce que le 5 janvier est sorti le tome 3 de la saga Les voleurs de fumée, intitulé À feu et à sang, de Sally Green aux éditions J'ai lu. Puis le 6 janvier est sorti le tome 2 de la saga Assoiffé, qui est intitulé Foudroyé, de Tracy Wolf aux éditions PKJ. Et pour finir en ce mois de janvier, je vous annonce la sortie du tome 4 de la saga Anne de Green Gables, intitulé Anne de Windy Willows, de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et je ne peux pas m'empêcher de redire encore une fois que Monsieur Toussaint Louverture m'impressionne à chaque sortie de tome parce qu'on pense pas qu'ils pourront faire mieux au niveau de la couverture. Et regardez, c'est genre elle est magnifique. Donc voilà, je suis bluffée, vraiment bluffée. Côté poche, le 5 janvier, on va pouvoir découvrir Les Impatientes de Jaylee Amadou Amal, donc aux éditions J'ai lu. Je vous rappelle que c'est le prix Goncourt des lycéens 2020. On va y suivre le destin de trois femmes dans le nord du Cameroun qui sont des femmes voilà, qui ont des situations différentes mais qui vont se retrouver finalement entremêlées car ces trois femmes vont tout simplement essayer à leur manière de s'affranchir de leurs conditions. Et je sais que c'est un livre qui a beaucoup remué, qui a beaucoup plu, mais qui a beaucoup remué aussi les lecteurs. Et j'avais pas encore franchi le pas, mais peut-être qu'en version poche, du coup, ce sera l'occasion. Le 5 janvier, on pourra découvrir en poche également le premier tome de la saga Rule de Hélène Goodlett aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre trois jeunes filles qui sont appelées par le roi puisque, sans le savoir, elles sont ses trois héritières et elles vont devoir mener un véritable combat pour savoir laquelle d'entre elles, du coup, pourra accéder au trône, sauf que ces trois jeunes filles cachent toutes les trois, chacune, un secret, et qu'apparemment quelqu'un connaît un petit peu leur secret et va leur mettre quelques bâtons dans les roues. Le 6 janvier, c'est la sortie de The Hate You Give de Angie Thomas aux éditions PKJ Poche. Dans cette histoire, on va suivre Star qui est une jeune fille de 16 ans, qui va être témoin de l'assassinat, enfin du meurtre de son ami Khalil, du coup par un policier.
qui va déclencher bien sûr des réactions en chaîne dans les quartiers. Et voilà, ce titre, on l'a vu énormément passer. Moi perso, je ne l'ai pas encore découvert. Je sais pas si vous, peut-être aussi. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle qu'il soit sorti en poche. Ça va laisser la possibilité de peut-être le découvrir plus facilement. Le 13 janvier, c'est la sortie de Là où les esprits ne dorment jamais de Jonathan Verber aux éditions Pocket. On est dans le New York de la fin du 19e siècle, on va suivre Jenny Martin, qui est une jeune prestidigitatrice de rue, qui vit avec sa mère, son lapin et sa colombe. J'adore. Elle va être engagée par Robert Pinkerton, de l'agence de détectives privés du même nom, très célèbre, pour enquêter sur le cas des sœurs Fox. Ces trois femmes sont en effet à l'origine du mouvement Spirit qui a vu le jour dans la société américaine puis européenne pendant les années 1850 en y amenant tout simplement la communication avec les défunts. L'experte en illusionnisme se retrouve alors entraînée dans une enquête pleine de surprises qui va finalement déterminer le futur du mouvement et qui va aussi potentiellement l'aider à résoudre les mystères qui entourent son passé. La magicienne arrivera-t-elle à élucider le secret le mieux gardé du siècle? C'est la question. Bah, avouez, le résumé est fou! J'ai trop envie! Je sais pas où ce titre était, mais je l'ai pas vu passer. Et franchement, j'ai trop envie, ça me donne vraiment... Voilà, vous avez compris, ça me donne super envie. Le 13 janvier, on va pouvoir découvrir la version poche de La princesse au visage de nuit de David Brie aux éditions Pocket. On va y suivre Hugo qui a eu une enfance relativement difficile, qui un jour, pour échapper justement à ses violences, a décidé de s'enfuir avec ses amis dans la forêt pour trouver la princesse au visage de nuit qui, selon la légende, exaucerait les vœux des enfants malheureux, au prix parfois de leur propre vie. Après une nuit entière, Hugo est ressorti de la forêt seul et amnésique. On le retrouve alors 20 ans après, à la suite d'événements que je vous laisserai découvrir, pour enfin affronter du coup cette nuit d'orage et découvrir ce qu'il s'est réellement passé. On est ici sur un conte plutôt fantastique, à l'ambiance assez envoûtante. Bref, j'en ai beaucoup entendu parler et particulièrement bien, donc ça me ferait vraiment plaisir de le découvrir. On enchaîne le 13 janvier avec la sortie d'édition Collector. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les idées cadeaux. Je suis dégoûtée, en même temps je suis trop contente, mais en même temps je suis dégoûtée. Donc c'est des éditions Collector de poche de la saga Les Chevaliers d'Émeraude. Donc c'est les 4 premiers tomes qui sortent, on vous les met juste ici, d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Perso, je n'ai pas encore lu, et malgré que j'ai le premier tome dans ma pile à lire, du coup cette saga, je sais qu'on va être sur une saga héroïque fantasy, hein, évidemment. On parle des royaumes d'Ankidiev, on parle des chevaliers d'émeraude, on parle de monstres du coup qui attaquent ces royaumes, des dragons et des hommes insectes, j'ai cru comprendre, et la prophétie liée à une petite fille qui s'appelle Kira et qui est protégée par ses chevaliers. Voilà, je vous balance comme ça les infos, ça n'a ni queue ni tête. Ni queue ni tête, c'est ça qu'on dit? Mais je sais pas pourquoi je bug comme ça en ce moment sur les expressions. A few moments later. Ça doit se dire, bref, peu importe. Donc voilà, mais c'est une saga un petit peu quand même... Oui, j'allais dire collector, ouf, le jeu de mots. Enfin voilà, c'est une saga en tout cas... fantasy extrêmement connue. Si vous ne l'avez pas vue dans les librairies, eh bien écoutez, je ne sais pas quoi faire pour vous. Elle est partout, même si c'est compliqué maintenant de les trouver tous dans la même édition. Donc voilà, c'est l'occasion peut-être de les découvrir en poche, et en plus dans ces très jolies éditions collector Michel Lafon poche. Le 20 janvier, on va pouvoir découvrir un petit polar. Il s'agit de Fragile est la nuit d'Angelo Petrella aux éditions 10-18. Je vous lis le résumé, on est sur le premier volume d'une série d'un flic de Naples fragile et attachant par un des chefs de file du polar italien. Moi perso, ça m'a intriguée parce que polar italien, j'avoue que ce serait une première. Donc je vous raconte, coupable d'abus de pouvoir et de chantage, l'inspecteur Denis Carbone, je sais pas comment ça se dit, a été relégué au commissariat de Pausilipe, le quartier le plus chic mais aussi le plus calme de Naples. Pour tromper son ennui, il partage depuis 10 ans son temps libre entre cuites retentissantes et planque devant le domicile de son ancienne compagne. Ok. Or voilà qu'une riche et séduisante quadragénaire est retrouvée sans vie au pied de sa villa où elle vivait seule et recevait des amants. S'agit-il d'un suicide ou d'un meurtre?
Chargé de l'enquête, Carbon sent renaître en lui le flair du flic brillant qu'il a été, mais la hiérarchie l'oblige étrangement à collaborer avec Tagliamonte, intransigeant chef de la PJ à l'origine de sa chute. N'ayant plus rien à perdre, il décide de tout mettre en œuvre pour supplanter son rival et mener son enquête à bon terme. Voilà. Si vous avez envie d'un petit polar, et ben écoutez, c'est l'occasion. Apparemment, c'est en plus, voilà, le chef de file du polar italien. Moi, je dis carrément, pourquoi pas une nouvelle saga. Je dis oui. Concernant les suites en version poche, et bien écoutez, ça va être rapide puisque je n'ai finalement sélectionné qu'un titre. Il s'agit du tome 9 des chroniques de Bridgerton, des années plus tard, et les chroniques de Lady Whistledown aux éditions J'ai lu. Concernant les mangas, ça va finalement être assez rapide puisque je n'ai pas de nouvelles sorties à vous présenter, simplement des suites de sagas, ce qui est déjà très très bien. Donc vous allez pouvoir découvrir le tome 9 des Petits Vélos de Keiko Koyama aux éditions Komiku. On est sur ici une petite série, vous savez, trop mignonne avec, voilà, des animaux qui sont trop trop choux. Et si vous voulez obtenir plein d'infos sur le vélo, vraiment, je pensais pas que ça allait m'intéresser, mais moi j'ai lu le premier tome. J'ai le deuxième tome qui m'attend dans ma pile à lire. Et franchement, c'était trop chou et j'ai appris plein de trucs en plus. Le truc de fou. Le 5 janvier, on peut d'ores et déjà du coup découvrir Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, donc le tome 3 de Jaehyung Jiyoung-yoon et Kim Myung-mi. Pardon pour... voilà, cette boucherie, chez Kabooks. Donc voilà, j'ai adoré les deux premiers tomes et franchement je vais m'empresser, d'ailleurs je pense que je vais y aller tout à l'heure, acheter le tome 3. Ensuite, le 6 janvier, eh bien c'est le tome 7 des Carnets de l'apothicaire. Je suis impressionnée par le rythme de sortie de ces tomes. Je sais que ça a eu un... Enfin, ça fait carton plein, hein. Du coup, moi j'ai pas sauté le pas encore, mais les gens ont adoré ceux qui l'ont lu. De Natsu Yuga, Kurage Neko et Itsuki Nanano aux éditions Kiyun. Donc voilà, c'est une très très belle saga a priori, très intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas. Le 19 janvier, on pourra découvrir le tome 3 de Les Fées, le Roi Dragon et moi en chat de Kurea et Aki chez Nobinobi. Donc voilà, qui est très très beau aussi. Très contente, le 27 janvier sort enfin le tome 8 de À tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata. On est ici sur une petite romance slow burn hyper mignonne, hyper chouchou. Et enfin pour finir en beauté, le 27 janvier sortira le tome 9 de Minuscule de Takuto Kashiki aux éditions Komiku. Donc là encore, bah, on est sur une mignonitude absolue. C'est juste magnifique, ce premier tome est super... Enfin, le premier tome que moi j'ai découvert, pardon, était super. Donc j'ai hâte d'enchaîner et je me dis qu'il va falloir que je me grouille parce qu'on est déjà au tome 9. Concernant les BD, ça va être aussi relativement rapide puisque je n'ai qu'un titre en nouvelle sortie à vous présenter. Le 6 janvier est sorti en français, enfin, le tome 1 de L'Or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD. Je vous avais déjà présenté ce titre il y a déjà quelques temps, c'était au mois de novembre il me semble, puisque moi je l'ai découvert en VO, enfin je l'ai découvert. Je l'ai acheté en VO, je l'ai pas encore découvert, c'est ça le pire. Je me foutrais des baffes, mais bref, voilà. Du coup, c'est la revisite de l'histoire entre Hadès et Perséphone. Vous savez que c'est un webcomic, du coup, ou un webtoon, enfin bref, un webcomic qui est sorti, donc je vous mettrai le lien juste ici. Vous pouvez aller commencer à découvrir certaines planches, même s'il y a des choses totalement inédites hein, dans la version bien sûr papier, ce qui est évident, mais franchement ça a l'air superbe, les planches sont magnifiques, les couleurs sont ouf, l'ambiance que ça dégage est terrible. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. Là on en est qu'au volume 1. Voilà, je pense que c'est une saga qui, si elle rencontre son public bien évidemment en version papier, aura pas mal de tomes à venir. Et pour finir avec les suites de BD, est sorti le 7 janvier le tome 2 de la BD La Sentinelle du Petit Peuple, donc intitulé L'Arme du Dragon de Forbes, Carbon et Barreau chez Dupuis. Donc là, bah voilà, cette beauté, moi j'ai découvert le premier tome, j'ai adoré, et l'histoire, et les personnages, et les graphismes, genre superbe, donc c'est évident que ce deuxième tome finira par atterrir dans ma pile à lire. J'ai vraiment hâte.
Et voilà, je m'arrête là pour la sélection des sorties livresques de janvier 2022. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu repérer des titres qui vous ont fait envie ou que vous avez peut-être eu la chance de d'ores et déjà découvrir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à aussi liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Bien sûr, la partager, ça me ferait énormément plaisir. Et me laisser un petit mot, c'est le plus important. En attendant, j'espère que vous allez bien. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Que vous ayez le bonheur, la santé, la réussite, tout ce que vous souhaitez. J'espère qu'on va passer plein de bons moments ensemble en 2022, évidemment. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Et bien sûr, je vous fais plein de gros bisous. Tous plus... Oh là là. Et Norine. Oh là là, c'est pas Norine. Le 6 janvier est sorti chez Pekaji Ce que j'aime chez moi de Jenna Guillaume aux éditions Pekaji. Oui. Oh.